Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les signaux du jour, quand il y en a. Ok, nous sommes donc aujourd'hui le 19 septembre, ok. À l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, il est 13h48, heure française. J'espère que vous allez bien depuis hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier. Et nous, on va partir comme d'habitude pour notre petite vidéo quotidienne sur les valeurs et sur les signaux du jour avec le Wallmaster XE. Alors j'ai reçu vos commentaires, enfin j'ai reçu un commentaire pour l'analyse d'une valeur de la Société Générale. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Et puis on va faire comme d'habitude, on va commencer par le CAC, l'euro USD, on finira par le Bitcoin, puis on ira voir ce qui se passe rapidement sur le SRD. Et on parlera de notre portefeuille, l'évolution de notre portefeuille. Donc, petite confusion, je ne sais pas si vous avez suivi hier. Dans ma tête, hier, nous étions déjà mardi, alors que nous sommes aujourd'hui mardi. Donc, je vous avais dit qu'on avait ouvert la semaine. En fait, j'ai tout décalé, si vous voulez, les bougies d'hier, en fait, d'une journée. Pour moi, l'ouverture, donc, c'était fait sur la bougie de vendredi. Alors que bon, c'est une petite confusion, mais bon, ça ne change rien. On a bien commencé cette semaine, donc hier, par un gap baissier sur le CAC 40, et donc on n'a pas commencé la semaine par un gap haussier. Voilà, c'est une petite confusion que j'ai fait hier. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, on était mardi, donc j'ai tout décalé d'une bougie. Mais bon, c'est pas grave, l'analyse reste la même, c'est juste la date qui était pas la bonne. Mais bon, je pense que vous avez, pour les plus attentifs, je pense que vous avez vu où je voulais en venir. Ça, c'est l'important. Alors, aujourd'hui, le CAC, au moment où on enregistre la vidéo, gagne plus 0,20%. Ok, on a une belle bougie, une bougie haussière aujourd'hui. Donc, petite reprise par rapport à hier. On a ouvert avec un gap baissier. Encore une fois, aujourd'hui, ce gap a été comblé là directement. On le voit là, il est quoi? Il est 13h50, le gap sur le CAC a été comblé depuis ce matin. Et puis, vous vous souvenez, on avait cette figure harmonique, on avait une figure harmonique qui avait été détectée et qui avait été stoppée il y a plusieurs semaines sur le CAC. Et ben là, voilà, on en a une nouvelle qui a été détectée aujourd'hui. Une figure, encore une fois, AB égale CD. Et cette fois-ci, cette figure est encore une fois baissière. Et voilà, nouvelle chance pour la prendre, même si le ratio, là, tout de suite, au moment où on fait la vidéo, le ratio est pas top. Le ratio est à 0,9% pour cette vente à découvert sur cette figure AB égale CD. C'est pas top sur le CAC. Là, on est en train de chatouiller nos moyennes mobiles exponentielles en journalier sur le CAC. Et comme depuis hier, pas de changement. On est toujours dans cette sorte de consolidation, là, sur le CAC. Ce range qui va entre les 7581 et les 7136, à peu près sur le CAC, détecté avec Chart Expert, le module qui trace les supports et résistances. Donc pour le moment, rien de très nouveau sur le CAC, si ce n'est cette nouvelle figure harmonique baissière qui a un ratio pas très intéressant de 0,99. Donc je vous parle même pas après les frais. Voilà, mais bon, c'est important de la noter. Il y a cette nouvelle figure qui est là. Donc c'est intéressant de vous prévenir. Ensuite, on va partir comme d'hab sur l'euro slash USD. Ok, hop, je cherche. Voilà, l'euro USD qui, depuis donc, que je fasse pas d'erreur, depuis vendredi, se reprend un petit peu. Voilà, trois bougies d'affilée haussières sur l'euro USD en journalier. On a toujours cette figure harmonique baissière, le 5-0, qui est toujours d'actualité et qui rapporte 2,22% depuis la détection du signal il y a 16 jours de cette figure harmonique baissière sur l'euro USD. Et là, on arrive au niveau de la moyenne mobile exponentielle 10 en journalier sur l'euro USD. Donc ça peut être intéressant de voir si on repasse au-dessus ou si au contraire on va taper la moyenne mobile et qu'on repart faire un nouveau plus bas sur l'euro USD. En tout cas, depuis le début de la semaine, depuis lundi, ça monte. Enfin, même depuis vendredi, pardon. Depuis vendredi, on est sur un petit rebond de l'euro USD.
Ensuite, on va partir sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui continue sa hausse, qui gagne 1,50% aujourd'hui au moment de la vidéo. Toujours la divergence, la figure harmonique haussière AB égale CD et le swing haussier sur le Bitcoin. Pour le moment, toujours haussier sur le Bitcoin. On a même franchi la moyenne mobile exponentielle 40. Donc on est repassé au-dessus de nos deux moyennes mobiles en journalier à plus court terme. Donc ça, c'est assez encourageant. Il va falloir que ça tienne. Ça tienne ça sur le Bitcoin et ça pourrait être sympathique. On est toujours dans le Kumo en hebdomadaire sur le Bitcoin, mais pour ce qui est des moyennes mobiles, voilà, même en hebdomadaire, on est en train de tenter de repasser au-dessus. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là si on tient ça sur le Bitcoin à surveiller. Notre portefeuille, il n'a pas vraiment bougé depuis hier. On est maintenant à moins, on est toujours à moins 0,57. On a toujours Hermès qui prend 0,99%, donc 1% sur Hermès pour le moment. Depuis le 8 septembre, Vinci qui continue à être à plus 3,48% sur Vinci depuis le 22 août. Voilà, ça monte sur Vinci. Pour un petit rappel, on n'est pas passé loin de la cible à 109. C'était sur la bougie du 18, si je dis pas de bêtises, pardon, du 15, du 15 septembre, donc vendredi. On n'est pas passé loin de l'objectif, mais bon, là on est en train de replier, mais bon, c'est pas très grave. Plastic Omnium, on gagne plus 0,69%. Aujourd'hui, l'action prend 0,94%. Worldline, qui continue entre guillemets, pas de nouveauté. On gagne plus. Aujourd'hui, l'action prend 0,40%. Worldline, nous, on est toujours à moins 92 depuis le 8 septembre avec un stop sur les 26,98 et un objectif sur les 31,15. OK. Et GTT sur cette vente à découvert qu'on a pris lundi 11 septembre. Voilà, on est à moins 0,08, donc à peu près flat. C'est dommage, on avait bien commencé au début la semaine dernière sur GTT le 11 septembre. Mais bon, là, c'est en train de se reprendre, l'action rebondit. Donc à voir, le stop est placé à 120 et l'objectif à 107,43 pour cette vente à découvert. Alors, on m'a demandé d'aller voir l'ASG, la Société Générale. Vous n'allez pas me croire, j'ai encore oublié le numéro, le mnémo, mais c'est bon, je l'ai retrouvé, c'est le GLE pour la Société Générale. Ok. Donc, Société Générale, écoutez, c'est pas fameux ce qu'on a sur l'ASG. Lundi, ok, si lundi, on a ouvert avec un très fort gap baissier sur l'ASG, ok. Et maintenant, aujourd'hui, nouveau gap baissier qui a quasi été comblé sur la Société Générale, mais ça descend fort, fort, fort sur la Société Générale. J'ai regardé avec l'autre espace, on est sorti des moyennes mobiles, donc on est en dehors de nos pardon, on est en dehors de nos bandes de Boulanger. Donc sur l'ASG, éventuellement, si on a une petite divergence qui arrive, on peut tenter un achat s'il y a un ratio, je dis bien, supérieur à 2, parce que là on voit que ça chute fort et on rattrape pas un couteau qui tombe. On voit même qu'en hebdomadaire sur l'ASG, la Société Générale, on est cette semaine-là, on est passé en dessous du Kumo. On est passé en dessous du Kumo d'Ishimoku en hebdomadaire. Pour ce qui est de nos moyennes mobiles, on passe même en dessous de nos moyennes mobiles. Donc sur la Société Générale, là pour le moment, ça présage rien de bon. C'est une belle chute que l'ASG nous a fait. Donc là pour le moment, si je devais faire quelque chose sur la Société Générale, eh bien, je ne ferais rien. Tout simplement parce que j'ai pas de divergence, bien qu'on soit sorti des bandes de Boulanger, ça descend fort, donc à voir jusqu'à où ça peut aller. En tout cas, on a un support, enfin, on a le plus bas là, le cours est descendu sur les 22 510 sur la Société Générale. Voilà pour si on peut analyser, enfin pour l'analyse, la demande sur la Société Générale. Pas très fameux ce que l'action nous fait aujourd'hui et même depuis le début de cette semaine. Pour ce qui est donc de notre market analyzer, aujourd'hui j'ai vu, je crois de mémoire, voilà, trois petites divergences haussières sur le SRD. Donc la première, c'est X-Fab, Silicon, Fonderie.
si je dis pas la fonderie SE, si je le prononce bien encore une fois, on a une divergence haussière qui a un bon ratio de 2,63 du moins avant les frais. Ok, il faudrait voir ce que ça donne après les frais. Mais bon, on est en tendance haussière, on a un swing haussier depuis 18 jours, maintenant on a une divergence haussière sur la valeur, donc là les trois signaux coïncident, swing haussier en hebdomadaire, on est au-dessus des cours du Kumo en hebdomadaire, nouvelle divergence en journalier, et par contre, si on passe sur les supports et les résistances détectées avec Chart Expert, vous pouvez voir que la résistance sur l'action est quand même à 1,02% du cours actuel. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge. Faudrait casser la résistance pour faire quoi que ce soit, attendre de casser là les 9, 80, 90 pour faire quoi que ce soit sur cette action. Par contre, si on passe la résistance hebdomadaire est encore à 18,51%, donc ça peut être intéressant à prendre. On a même eu une figure harmonique qui avait été détectée, pardon, il y a 8 jours sur la même valeur, sauf qu'elle s'est fait stopper. Donc voilà, dommage, mais on a une nouvelle divergence haussière. On en a trois de façon sur le SRD. Métropole TV, ensuite, on voit qu'on a une nouvelle divergence. Elle a un ratio qui est intéressant, mais en hebdomadaire, on voit que nous sommes en dessous des cours du Kumo en hebdomadaire sur Métropole TV. Donc bon, on est sur une résistance, sur un support sur Métropole TV. C'est la résistance, le support des 12,90 sur Métropole TV. Là, on a une divergence qui arrive, qui est intéressante, qui vient vraiment sur un support. Donc, ça peut se tenter, Métropole TV. Je vais juste vérifier un truc. Liste. Ok. On va aller voir ce que ça donne avec l'autre espace sur Métropole TV, avec les bandes de Boulanger. En tout cas, on a eu une figure ABCD. Assez étrange détecté il y a à peu près 21 jours sur Métropole TV pour une vente à découvert qui a super bien marché. D'ailleurs, la figure a été détectée tout là-haut, là, sur le point D. Et ensuite, boum, bah, vous voyez par vous-même, on a atteint l'objectif et on a fait plus 10,05, enfin 10,5% au moment où on discute sur Métropole TV. Donc, est-ce que c'est le moment de rentrer à l'achat? Il faudrait voir. En tout cas, on est baissier pour le moment sur le long terme et à plus court terme sur Métropole TV, mais on a cette divergence. Et on va aller regarder juste après ce que ça donne avec les bandes de Boulanger et la dernière valeur sur le SRD avec une divergence aujourd'hui, c'est Casino Guichard. Casino Guichard, on est en tendance baissière en hebdomadaire, on a carrément un fin de swing haussier en hebdomadaire. Par contre, on a une divergence haussière qui arrive aujourd'hui, normalement avec un rebond sur support, si je lis bien le market, voilà. Casino Guichard, divergence haussière sur le support là des 1,68, mais c'est full baissier en hebdomadaire, donc bon, assez risqué. Et en plus, on voit qu'on a cassé récemment, il y a 3 semaines plutôt, pardon, le support, le précédent support hebdomadaire pour le moment. Pas très encourageant, mais je vous le montre, il y a quand même une divergence. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Elles ont des super ratios, enfin 30-72, c'est parce qu'on doit être vraiment très proche du stop. Métropole TV 4,03 et la dernière 2,75. Donc, avant de se quitter, on va juste passer sur l'espace des moyennes mobiles, des bandes de Boulanger. Je vais y arriver, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Ça charge, de toute façon, je n'ai besoin que de. Du graphe je vais nous mettre afficher la liste A. Voilà. Pour Métropole TV, on a cette divergence, on est sorti des bandes de Boulanger, on les a réintégrées. Okay. C'est pas une belle cassure parce que la bouche d'après a ouvert directement à l'intérieur des bandes de Boulanger. C'est pas terrible, c'est dommage, c'est pas vraiment. Une belle sortie, une belle cassure des bandes de Boulanger avec une autre bougie, la bougie d'après, qui évolue à l'intérieur des bandes de, des bandes, à l'extérieur des bandes de Boulanger, pardon, je vais y arriver, et qui va dans le sens opposé de cette cassure. Donc, c'est pas terrible. Mais voilà, il y a quand même la divergence. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je vous le montre. Je prendrai pas de position encore aujourd'hui. Et je vais vous inviter encore une fois. On va se laisser là pour aujourd'hui. La vidéo est assez courte. Je vais vous demander bah, de mettre des commentaires si vous voulez, hein, bien sûr, pour qu'on aille voir d'autres actions si vous voulez demain
ou la prochaine fois que je ferai cette vidéo, un enregistrement pour la chaîne, une nouvelle vidéo. Et comme ça, on peut échanger. Et puis, si j'arrive à faire un live, toujours, vous serez prévenu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Waldata. Comme ça, vous loupez rien et vous êtes prévenu au moment où je publie une vidéo ou si il y a un live. Voilà. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Il est 14 h, une bonne après-midi plutôt. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. À bientôt. C'était Alex.